Nous aurions tant voulu être emballés par les dernières assises de la ville. La promesse était belle sur le papier, mais finalement, nous avons assisté à un show politique, une opération de communication aux petits oignons façon Canada Dry. Bref, dans un contexte sanitaire détérioré, la politique a été plus forte que le bon sens. Comment croire que la concertation citoyenne soit au cœur des préoccupations de cette majorité quand à peine une semaine avant les assises, un énième projet est dévoilé aux habitants des Granges pour le devenir du secteur Athos, tout près de la gare des Chirolles. Leur réaction ne laissait guère de doute sur l'ampleur de la dite concertation qui, en fait, se fera, comme de coutume, a posteriori. Mais à Chirolles, on développe un nouveau concept. On bétonne pour que votre bien reprenne de la valeur et pour que les services aux habitants soient maintenus. La fuite vers les campagnes plus paisibles en jambes bouchons, pollution, et nous, on se contente de greenwashing. Ce que veulent les habitants est simple, vivre en paix et ne plus être entassés dans des super agglomérations qui deviennent juste invivables. Et Chirolles en est un exemple. Il paraît que l'espoir fait vivre. Certains Échirolois espèrent encore.